À Paris, à deux pas de Roland-Garros, le centre d'entraînement de la Fédération française de tennis. L'endroit où les champions répètent leur gamme. Stéphane Houdet vient ici avec une drôle de machine. C'est des sur-mesures, là. Ah oui, complètement, ouais. Ça a été fait pour vous ? Il y en a qu'un, ça a été fait pour moi, c'est un prototype tout en carbone. Amputé d'une jambe, Stéphane Houdet est à 46 ans numéro 1 mondial de tennis fauteuil. Son palmarès l'accompagne tout le temps, il est brodé sur son sac. Ici, comme sur le sac de Rafael Nadal avec un peu moins d'étoiles, mais ce sont les deux étoiles oranges des vainqueurs de Roland-Garros et l'étoile bleue pour la victoire à l'US Open à New York. Vert pour Wimbledon et un autre bleu pour l'Australie, j'espère le compléter un jour. Il a aussi gagné deux médailles d'or aux Jeux paralympiques de Rio et de Pékin. Chaque jour, il s'installe sur sa machine pour l'entraînement. Afin de bien faire corps avec le fauteuil, je mets une ceinture. Voilà. Et après, je peux vérifier que je suis bien attaché. En faisant corps avec le fauteuil. Alors comment jouer à haut niveau au tennis dans un fauteuil roulant? D'abord, grâce à l'inclinaison des roues de son fauteuil, Stéphane est très mobile. Dès qu'on bascule d'un côté ou de l'autre, le fauteuil suit le mouvement. Donc même en allant très loin, si je regarde derrière moi là-bas, le fauteuil va très loin. Je regarde très loin, le fauteuil me suit. Et pour arriver à temps sur la balle, il doit être en mouvement permanent. Ah, je suis trop tard. Si je m'arrête, je subis, je peux faire un premier coup, regarder ce qui se passe, et là, j'ai pas le temps d'aller la chercher. À l'inverse, Cyril, si je me mets en mouvement avant, là je suis aussi loin, et pourtant, je peux la jouer. Pourquoi ? Parce que j'ai une vitesse initiale qui est plus importante. Un rythme intense. Mais visuellement, c'est vrai que ça paraît très physique. Pourtant, selon lui, jouer en fauteuil serait moins fatigant. Mais le fait d'être assis sur le fauteuil et de ne pas avoir à supporter le poids du corps, qui est supporté par la machine, on dépense moins de calories. Donc il faut éviter la chantilly, il faut éviter les meringues, il faut éviter le foie gras. Grâce à ses 2h30 d'entraînement par jour et grâce à son talent, Stéphane Houdet fait partie depuis 11 ans du circuit international de tennis fauteuil. Une vie intense de sportif de haut niveau aux quatre coins du monde. Et paradoxalement, tout cela a été possible pour ce père de famille après un drame. Un drame qu'il considère aujourd'hui presque comme une chance. Bah, un jour, mes enfants m'ont demandé quel était le plus beau jour de ma vie et en réfléchissant, je me suis retrouvé à me focaliser sur un jour qui avait pu changer ma vie dans le sens où j'avais pris conscience qu'elle ne tenait qu'à un fil et que cette prise de conscience est arrivée le jour où j'ai eu mon accident de moto. Donc c'est peut-être un raccourci, mais en tout cas, c'était pour dire que ce jour-là est le jour qui m'a permis peut-être par la suite de mieux profiter de la vie. Stéphane Houdet a transformé une terrible épreuve en nouveau départ dans sa vie. En France, plus de 5 millions de personnes sont touchées par le handicap. Qu'il soit physique, visuel, auditif ou moteur, il faut apprendre à l'apprivoiser avant de commencer à vivre avec. Souvent, un parcours du combattant qui pousse les handicapés à se surpasser et mettre en pleine lumière leurs particularités. Parce que je suis jeune, ça fait pas longtemps que je suis en situation de handicap. Et je pense que ça peut aider les prochaines personnes comme moi, accepter leur handicap, en fait. Assumer, ne plus se cacher, pour essayer de ne plus être mis de côté. Car aujourd'hui encore, trouver un travail quand on est touché par le handicap reste une exception. Les places sont rares, seule une personne sur trois trouve un emploi stable. Il y a bon midi. Il y a bon midi. Non, pas ça. T'as compris. Mais oui, bon appétit. Ah, bon appétit, voilà. Merci. Et bon appétit. Parfois, le handicap s'invite dans la vie sans prévenir. Du jour au lendemain, des familles se retrouvent plongées dans un univers inconnu jusqu'alors.
pensez qu'elle vous comprend? Quand je lui ai dit que ma mère était décédée, elle a pleuré. Donc, je pense qu'elle avait très bien compris ce que je lui disais. Non, ma chérie, c'est vrai. Bien souvent, les parents sont en première ligne pour s'occuper de leurs enfants. Abandonnés par les pouvoirs publics, ils sont prêts à tout pour défendre leurs droits. Ce qui est malheureux, c'est de devoir mettre sa vie en danger pour des choses qui sont complètement normales. Un univers encore trop souvent stigmatisé qui mérite pourtant la plus grande attention de notre société. À Paris, nous retrouvons Stéphane Houdet, le champion paralympique de tennis. Il est divorcé et vit avec l'un de ses quatre enfants. Marine a 14 ans. J'ai eu deux petits cadeaux surprises aujourd'hui. On va regarder parce que je sais pas du tout ce que c'est. Dans le courrier, il y a une photo. Ah, génial! Envoyée par le tournoi de Wimbledon. C'est hein? C'est trop beau. Ah ouais, trop belle. C'est Wimbledon 2016 avec mon partenaire avec qui on a gagné la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Il y a aussi cette caricature faite par un étudiant qu'il avait interviewé. Pas mal! Il a une tête extraterrestre un peu. Ouais, mais c'est le principe de la caricature parce que c'est petite raquette, grosse tête, petit corps, grosse roue. Grosse roue, ouais. Cette carrière d'athlète handicapé, Stéphane Houdet était loin de l'imaginer. Celle-là, elle est très rare. Il a commencé par être vétérinaire. Non, c'est toi? Ouais. Une photo de moi quand on faisait notre bizutage à l'école vétérinaire. Donc c'est une des très rares photos où j'ai deux jambes. Et d'ailleurs, je le vois que maintenant, mais c'est très rigolo. Parce qu'on dirait que mon copain n'a qu'une jambe. Il porte la chèvre, on dirait qu'il a qu'une jambe. Et vous alors, du coup? Et moi, je suis là. Je suis là, donc on se retrouve avec les chiens de nos marraines qu'on doit balader avec mes deux jambes. On va dans les fontaines se baigner. À 25 ans, alors qu'il vient à peine de démarrer sa carrière, il part en voyage en moto avec un copain et il a un terrible accident. J'ai doublé une voiture qui ne m'a pas vu et qui s'est déportée au même moment pour doubler des vélos qui étaient devant et qui m'a bloqué sur la file de gauche. Ce qui fait que j'ai pas pu me rabattre et j'ai touché la voiture qui arrivait en face. Et à ce moment-là, j'ai rien senti sur le coup. Je pensais que c'était mon sac qui avait touché à l'arrière de la moto. Et là, j'étais bancal et je me suis dit « Ah mince, c'est pas mon sac, c'est ma jambe. » Une jambe très abîmée qui ne permet plus à Stéphane de marcher normalement. Il comprend que sa vie a basculé. On se dit « Ah ben, je vais plus pouvoir exercer mon métier, ma compagne va me quitter, je sais pas si je pourrai en avoir une autre. » Il y a des questions comme ça qu'on se pose parce qu'on a une image de soi qui est très négative. Et ça dure un certain temps. Progressivement, il reprend le dessus. Et avec cette jambe raide, ce grand sportif devient même un golfeur professionnel dans le circuit handicapé. Mais les douleurs sont trop fortes et il se pose la question de se faire amputer. Avec une jambe raide, on fait ceci, on fait cela. Avec une prothèse, on va faire autre chose. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'on allait faire plus de choses. Et donc, j'ai mis des plus et des moins. Et très rapidement, ma balance en faveur des plus a penché. Et pour moi, il n'y avait même pas photo. À 34 ans, il prend la décision radicale de couper sa jambe malade et de la remplacer par une prothèse. C'est une libération. Cet ancien joueur de tennis passionné découvre alors le tennis fauteuil et s'y impose rapidement. Voilà, là c'est la première fois que je gagne Roland-Garros puisque ce sont mes anciennes roues. Et donc c'est face à Shingo Kunieda. Numéro 1 mondial à l'époque, et le fait que lui perde ce match-là, je lui passe devant. Et je deviens le nouveau numéro 1 mondial et je le resterai jusqu'à la fin de l'année. Fort de cette incroyable expérience, Stéphane consacre une partie de son temps à autre chose que le sport. Il vient en aide à ceux qui viennent de basculer dans le handicap et qui n'imaginent pas retrouver une vie pleine comme lui. En général, c'est la valeur d'exemple qui fait qu'on se rend compte concrètement que c'est possible. Le médecin peut nous dire qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, et on a du mal à le réaliser. Par contre, quand on voit quelqu'un qui est dans la même situation et qui le fait,
vraiment, concrètement, eh ben, en ouvrant les yeux, on se dit « Ah bah oui, c'est vrai, ça marche, ce ne sont pas que des histoires. » Ce matin, par l'intermédiaire d'un ami commun, il a rendez-vous avec un homme au parcours très proche du sien. Bonjour. Enchanté. Ça va ? Enchanté. Ouais, bienvenue. Fabrice boite légèrement. Comme Stéphane, il marche avec une prothèse après avoir décidé de se faire amputer l'été dernier. C'est pas du tout un regret, quoi. Ça a été un soulagement énorme. Voilà. Avec tout ce que je peux faire actuellement, c'est vraiment un bénéfice. Et tu dis déjà que c'est bien. Mais même juste après l'amputation, ouais. C'était j'ai retrouvé une énergie, ouais, que j'avais pas eu depuis 4 ans. Ouais. Et vraiment une grosse patate, quoi. Ouais. Et vraiment, je sentais que j'étais libéré, quoi. Vraiment. Mais bon, c'est après 4 ans de douleur, c'est... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ce que les gens comprennent pas forcément, c'est que c'est enlever un membre mort, douloureux, et pas faire le choix d'une amputation en partant... Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça puise énormément d'énergie, la douleur, le membre impotent, et c'est plus un choc pour l'entourage, l'amputation, que pour soi-même. Tout à fait. Allez, impeccable. L'amputation est venue mettre un terme à des années de douleur. Tout a commencé en 2012. À l'époque, Fabrice vit de son métier de skipper sur des voiliers anciens. Lors d'un voyage en Inde, il fait un périple en moto. Et lui aussi a un terrible accident contre une voiture qu'il prend de face. Sa moto est fracassée, tout comme sa jambe droite. Il devient handicapé et passe des mois très difficiles. J'étais très très bas parce que j'avais perdu 14 kilos. Donc je ne suis pas gros au départ, mais j'étais vraiment très affaibli. Il y a tout qui t'échappe à ce moment-là. Quoi. Donc, j'imagine que tu as vécu ça également. Donc c'était, t'as l'impression d'être... De sortir du circuit, tout simplement. Ouais. Quoi. De sortir du monde. Et puis c'est l'image de soi aussi qui est difficile. Oui, oui, tu vois ton corps qui se transforme. Et puis l'image de le regard des autres, en fait, sur son propre handicap. Au bout de 4 ans de souffrance, avec de grandes difficultés pour marcher, il décide donc lui aussi de passer par l'amputation. Un long chemin qu'il a selon lui bonifié. On s'aperçoit qu'on est plus dans l'empathie, plus à l'écoute des autres. En tout cas, moi, c'était le cas. Et on se dit qu'il y a plein de choses positives dans ce type d'épreuve et dans le fait d'être confronté personnellement au handicap. Là, je peux dire que Fabrice, il a déjà fait une grande partie du chemin, parce que c'est vrai qu'il définit bien les trois phases, deuil, acceptation, et puis de définition de nouveaux projets, qui sont parfois des phases plus ou moins longues et difficiles. Toi, c'est très récent. Mmh. Et d'être déjà sur quelque chose de positif, c'est fantastique. Stéphane n'a pas grand-chose à apporter sur le plan psychologique à Fabrice, qui a beaucoup avancé seul. En revanche, entre porteurs de prothèses, ils ont beaucoup de choses à se dire. J'ai un petit dispositif de cliquet qui fait que je peux aussi me mettre en tailleur. Ah, très bien. Donc là, tu vois, je peux me mettre ici, par exemple. Ben voilà, c'est ce qu'il faut. Ouais. On a tous les deux un genou électronique, mais c'est pas la même marque. C'est un peu rêve. Et là, c'est en fait un gel, en fait, qui fait le... Et pour dédramatiser le handicap, Stéphane joue la carte de l'humour. C'est comme de l'hydraulique. Voilà. Moi, c'est un petit bar. 5 mois après son amputation, Fabrice a un grand projet. Arriver à se faire financer cette prothèse révolutionnaire à 100 000 euros. Elle aide à la marche, permet même de courir et de sauter. Cette année, elle va prendre le réglage du rythme. Le gars, il a sauté et il était en flexion au moment de la reprise d'appui. Et surtout, elle est aussi étanche. Ah ouais, ça laisse plein d'espoir quand on voit ça. Hein. Avec elle, Fabrice veut reprendre la mer et participer à la route du Rhum. Et pour ça, le parcours de Stéphane l'inspire. Un parcours qui est une leçon pour tout le monde, même pour les valides. Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, Stéphane est l'invité d'une association de cadres. Donc, ce matin, ce que je voulais vous proposer, plutôt que de faire une présentation un petit peu solennelle ou amicale, selon les termes. Voilà.
une conférence qu'il fait démarrer par un tirage au sort. Il se trouve que sous une de vos chaises, sous une des chaises plus exactement qui sont dans la salle, il y a un petit post-it qui va déterminer le vainqueur. Donc je vous invite à regarder sous votre chaise. Ah voilà, voilà, voilà. Voilà. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors Patrick, en tant qu'heureux vainqueur, je vous invite. Ce tirage au sort lui permet de faire comprendre que le handicap peut frapper n'importe qui à tout moment. Je me suis retrouvé moi aussi à être tiré au sort, vainqueur du jeu. J'ai eu un accident de moto. Alors tout de suite, je me suis dit que j'avais eu de la chance parce que j'ai perdu qu'une jambe dans l'histoire. Il leur raconte cet optimisme qui lui a permis de surmonter son handicap pour aller de victoire en victoire jusqu'à une médaille d'or aux Jeux de Rio. On a un petit doute là, on savait pas si elle était bonne. On a un petit doute, ouais. Ah ouais. Bravo. Je l'ai amené, c'est la suite. Tu peux la prendre en photo ? Ouais, bien sûr. Bah, ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Une leçon de vie qui les laisse bouche bée. Il y a un moment où on se rend compte qu'on n'a plus le choix. Soit on fait quelque chose, on continue et on avance, soit on reste là où on a chuté. Et c'est là où se joue finalement le parcours de résilience et les différences. Ouais. Il y a aussi derrière une philosophie de vie, dire je veux vivre, je m'adapte et je trouve des solutions. Il a fait de son handicap un plus. Et ça, c'est fabuleux. À 46 ans, Stéphane Oudet se voit encore de nombreuses années faire de la compétition et partager ainsi son expérience. Oh. Bravo. Merci. Mais si lui a trouvé facilement sa voie, quand on est handicapé, l'accès au marché du travail n'est pas simple. Les places sont rares. Seule une personne sur trois parvient à trouver un emploi stable. À une trentaine de kilomètres de Bordeaux, le service va bientôt commencer au Résigné, un restaurant traditionnel. Il est 11h et pour l'instant, l'équipe déjeune avant de se mettre au travail. Ben c'est salé, la morue. Parmi eux, Yvan, un jeune homme trisomique de 21 ans. Et son éducatrice, Anne Hendrix. Elle va tester Yvan alors qu'une partie du personnel vient d'être renouvelée. Tu connais tous les prénoms, hein ? Oui. Parce que ça a beaucoup changé, hein ? Oui. Alors, il y a Romain. Romain, il y a apprenti aussi. Oui. Il y a Constance. Constance, apprenti aussi. Oui. Il y a Virginie. Virginie. Il y a Rudy. J'ai vu. Il y a Mio, il y a copain. C'est ton copain ? Hein. Et oui, mais tu m'avais pas dit qu'il y avait autant de nouveaux. Ils vont être vraiment surprise. Parce que du coup, j'ai bien compris. Ils sont apprentis. Oui. Ça veut dire que toi, c'est au-dessus. Hey. C'est ça. C'est ça. Après un long parcours dans le restaurant, Yvan vient de signer un CDI. Son intégration dans l'équipe a été une petite révolution. Moi, ça m'a ouvert l'esprit. J'avais jamais travaillé avec quelqu'un de trisomique. Et au final, il comprend vraiment tout, quoi. Enfin, moi, j'ai vachement... Je m'ai vachement ouvert l'esprit, ouais. Donc ça m'a fait du bien, moi, bon, personnellement. C'est-à-dire ouvert l'esprit ? Avant, quand j'en croisais dans la rue, on regarde, mais on sait pas trop comment aborder la chose. Et en fait, c'est très simple. Faut juste leur parler, quoi. En France, il est rare qu'une personne trisomique travaille. Encore plus comme serveur dans un restaurant comme Yvan, un poste en contact avec les clients. Alors comment a-t-il réussi ? Sa première difficulté, comme toutes les personnes trisomiques, c'est la mémoire. Du coup, le service commence par un point précis sur la carte qui change chaque jour. Alors, velouté de citrouille au foie gras, croustillant de pâté de tête de veau, risotto aux crevettes et truite fumée, un plat en bœuf grillé sauce au bleu et frites, sauté d'agneau aux légumes de saison, oui. Merluchon en colère, un dessert, clafoutis au poire, forêt noire ou mousse au chocolat. Tu sais ce que c'est une forêt noire ? La forêt noire, c'est un dessert, hein ? Oui, il y a dessert. Il y a un fruit dedans, tu sais lequel ? Un fruit, oui. Et cerise. Et chocolat noir. Un chocolat noir. Voilà.
Ce qu'on te demande, c'est ça. C'est un dessert au chocolat noir avec des cerises. Et chantilly. D'accord. La mission d'Yvan, c'est de dresser les tables et de s'assurer qu'il ne manque rien. Mais c'est aussi d'accueillir les clients et de leur apporter les amuse-bouches. Un premier contact qui n'est pas toujours très facile. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a rien, il y a un tomate, il y a sardine. D'accord, merci beaucoup. Il y a bon midi. Pardon ? Il y a bon midi. Il n'y a pas de midi ? Il y a bon midi. Je n'ai pas compris. Il y a bon midi. Il y a bon midi. Non, 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 pas ça. Pas compris. Il vous dit bon appétit. Ah, bon appétit, ah, merci beaucoup. Il y a bon midi. Bon appétit, ok, merci. Sa responsable, Elodie, n'est jamais loin pour le sortir de ces situations délicates. Mais par sa gentillesse et son humour, Yvan a conquis les habitués. Comme ce petit groupe qui travaille sur un chantier à côté. C'est un garçon assez sympa, très avenant, mais voilà. Donc il est parti pendant 2 mois et il nous a presque manqué. Il dit que du bien sur toi, Yvan. Ouais. Il est parti à quoi ? Passera à la caisse, hein, à la fin. Donc, il nous paye le repas aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Yvan n'est pas encore apte à prendre les commandes sans se tromper. En revanche, il amène les plats. Alors, il y a soupe. Merci. Il y a question. De chef. Merci. Il y a bon midi. Merci. Depuis son arrivée, il a fait d'énormes progrès. Bon midi. Toute l'équipe l'a accompagné. Mais son éducatrice, qui vient régulièrement au restaurant, a aussi fait un énorme travail pour lui. Car au départ, il ne savait rien faire et il se comportait de manière décalée. Alors elle a créé ce cahier qu'il pouvait consulter à tout moment. Je mettais tout en pictogramme, je mettais quand même la consigne à côté. J'écoute les consignes de mon tuteur. Je ne reste pas parler avec les clients. C'est vrai qu'Yvan, il n'avait pas intégré qu'il y a un moment où on vient servir le client, on peut avoir un petit mot, dire bon appétit. Mais comme il était à l'aise dans la relation avec les clients, il pouvait rester à table, discuter avec les clients. Une anecdote d'ailleurs qui est assez rigolo, c'est qu'à un moment donné, il avait lui-même pris l'initiative d'offrir une bouteille de champagne à des clients. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne dis pas que je suis le chef. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait d'autres collègues ici qui disaient Yvan, il dit toujours que c'est lui qui est le chef, que c'est lui qui commande. Et il n'acceptait pas que quelqu'un d'autre lui demandait de faire quelque chose. Donc par rapport à ça, il a fallu réexpliquer à Yvan que dans une entreprise, il y a un organigramme, il y a une hiérarchie à respecter. Alors où il était dans cette hiérarchie ? Eh bien, stagiaire. Le stagiaire, il est en bas, moi. Avec ce travail pédagogique très patient, Yvan, arrivé il y a 4 ans stagiaire, est devenu apprenti. Puis récompense suprême pour ses efforts, il a signé au printemps dernier son CDI entouré par ses patrons. Et tu commandes les cafés ? Oui. Et pour Christophe Bourissou, le propriétaire du restaurant Le Résigné, l'embauche d'Yvan n'est pas seulement un geste généreux. Il y trouve aussi son compte. Vous l'avez vu, il sert, il prend le pad, il commande. Nous, on lui a fait faire des tâches le matin. Il balaye la salle, il dresse les tables, il fait la mise en place des pruneaux, des abricots, des myrtilles. Donc tout ça, il devient rentable. Parce que ça, c'est des choses qu'il a appris. Et on n'y revient pas dessus. Enfin, nous, on voit plus la maladie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est Yvan. Si Yvan, il sort de son service, eh ben, il reprend un tir, il est recadré. Et voilà. Et la différence, elle n'est plus là. Avec Yvan, le patron a aussi appris un management plus en douceur qui a déteint sur toute l'équipe. Nous, on a un métier, vous savez, connu, la restauration, les serveurs, la cuisine, c'est le stress, c'est des coups de gueule, on connaît tous les chefs, les grands chefs. Et bien nous, chez nous, c'est un consensus. On arrive maintenant, grâce à lui,
à dire, ben, y a des choses plus importantes dans la vie. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je vais te prendre à part. Vous voyez, et tout ça, c'est un peu grâce à son chemin d'homme. Et nous... Parce qu'avec lui, vous avez dû être doux, c'est ça aussi? Ouais, on a été en empathie avec ce gamin. Et le fait d'être en empathie avec ce gamin, ça nous a fait évoluer dans notre façon de... Travailler ensemble. Ah ouais. Maintenant, on est vraiment une équipe. Donc ça, c'est grâce à Yvon. Et autour du jeune homme, l'ambiance est en effet plutôt détendue. Yvan est complètement intégré. C'est notre collègue, quoi. Après, ce qui est bien avec lui, c'est que quand il a envie de faire un câlin, il fait un câlin. Ah, c'est un super collègue. Parfois, voilà. Tu après, il veut pas faire quelque chose. Voilà, il est bordé, non, mais c'est bon, mieux, c'est comme ça. Non, mais oui. On est content de travailler avec lui. Il travaille bien en plus, il est efficace. Les clients sont contents. C'est important que les clients soient contents quand même. Oui. Et puis parfois il fait rire dans son service quand tout le monde est parti. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Il chante aussi. Ouais. Ah, il peut chanter. C'est ça. Moi ouais, il chante, oui. Et vous ne demandez pas du travail en plus? Non. Non, non, honnêtement, non. On regarde un peu ce qu'il fait de loin, mais ça, c'est, on fait la même chose qu'avec des apprentis qui viennent d'arriver. C'est exactement le même procédé. Il n'y a rien de plus à faire. Voilà. Tout le monde y gagne, à commencer évidemment par Yvan. Comme il se fatigue plus facilement que d'autres, il ne travaille que 4 matinées par semaine, soit 20 heures. Et à la fin du mois, comme tout salarié, il a droit à son chèque. Oui, parce qu'il y a des boissons avec la couvière. Ah, mais de toute façon, nous, le dimanche, nous sommes fermés à partir de 17h. C'est combien? Oui. Ah oui. Il y a 6. 9. Ça fait 619 euros. Oui. Cette place en CDI lui a donné confiance et il se voit déjà devenir patron un jour. Vous avez ouvert un restaurant à moi. Un restaurant? Ouais. Tu voudrais ouvrir un restaurant? Oui. Ah ouais, ça sent. À Salle. Chez à toi? Salle. Ouais. Ah, tu veux ouvrir un restaurant? Oui. Ouais, il y a trouvé un restaurant. Je sais. Là, ici, il n'y a pas même. Il y a le vieux rock, résigné, plaque. Plaque. Ouais. Voilà, après ça. Mais pour devenir patron, il faut commencer par être autonome. Et Yvan a encore beaucoup de travail, notamment pour se faire mieux comprendre quand il parle. 2 fois par semaine, sa grand-mère l'amène chez l'orthophoniste. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, en ça forme? Va. Bah oui. Allez. Allez, en forme. Comme beaucoup de personnes trisomiques, quand Yvan était à l'école primaire, il n'avait pas la maturité pour apprendre à lire. Oui, et toi? Il doit donc s'y mettre maintenant. L'orthophoniste le fait travailler avec des petits jeux. Presque. Oui. Ça fait trois. Ouais. Donc ça fait trois. Oui. Très bien. Oui. Carré. Très bien. En apprenant à lire, sa famille rêve qu'un jour il puisse passer le code, puis le permis. Il pourrait alors être autonome pour ses déplacements. Pour arriver à lire des consignes et à répondre à des questions sur les questions du code, si on n'est pas un lecteur aguerri, y a plein de pièges et il ne peut pas les déjouer. Vous pensez que c'est possible que Yvan conduise, soit au volant d'une voiture? Vous pensez que c'est... Ça, alors, moi, ça, ce n'est pas ma partie, parce qu'après, il y a tout le côté médical. Yvan, devant des situations paniquantes et stressantes, comment il va réagir, je ne sais pas. Ça, moi, je ne sais pas dire. C'est un médecin qui va pouvoir donner son aval au fait qu'il puisse un jour passer un permis ou un BSR ou conduire un deux roues, etc. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de moments de panique et qu'il mette sa vie en danger, celle des autres. Avec elle, il apprend à lire, mais aussi à mieux s'exprimer. Tu me le décris. Tu me dis comment il est. Mais un chapeau. Bien fleur. Yvan, je me déphrase. Ah oui. Alors. Yvan,
Ouh, regarde-moi. Ouais, il est pas ça. Regarde-moi. Oui. Toto. A. Une chérie. Où ça? Épaule. Sur épaule. Sur l'épaule. L'épaule. Oui. La boucle audiophonologique chez les trisomiques est très mauvaise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de retour de ce qu'ils entendent, eux. Donc, du coup, vous répétez des mots. Certains mots qu'on a... Ils s'entendent pas, vous non, dire non. Ils s'entendent pas parler. Ils s'entendent parler, mais pour eux, ça ne... Enfin, ils ont dit un son approximatif, c'est comme s'ils l'avaient bien dit. Tu sens que tu as progressé? Oui. Tu t'en rends compte? Oui. Tu t'en rends compte comment? Il y a pas de... sonner. Comment tu as progressé? Après, il y a tout seul. Tu fais des choses tout seul? Ouais. Qu'est-ce que tu fais tout seul? À chanter. Tu chantes? Ouais. Ah, c'est là, doucement. Tu vas doucement? Oui. Il rythme de la musique. Mm-hmm. Après, à chanter. Après aussi, après un peu, il y a bien y parler. Mieux parler, oui. À lundi? À lundi. Les vacances sont finies? Oui. En quelques années, ses progrès sont très importants. Grâce à ses proches, Yvan a fait un chemin phénoménal. Il habite dans cette maison à la campagne, où il vit seul avec sa grand-mère. Ah, oh, mon père, il est pas de l'eau. Moi, j'aimerais mieux que tu mettes tes chaussures, mais bon. Bah, c'est froid. Après le travail, il se détend devant la télé en regardant du sport, l'un de ses programmes préférés. Ce jour-là, il y a une compétition de pétanque, une discipline qu'il adore après l'avoir pratiquée pendant les vacances. 9, 10, 11, 12, 13, 5, Yvan doit beaucoup à sa grand-mère. Elle l'a en grande partie élevée. Cette femme énergique de 78 ans a toujours voulu le meilleur pour lui. Ah oui, là. Petit. T'avais 2 ans. Ouais. De temps en temps, ils regardent ensemble l'album de famille. Trop cool, hein. C'est des vacances sous la note avec ses cousins et ses cousines. Alors où il est? Yvan est là. Avec sa sœur, là. Ma sœur. Il a quel âge, là? Là, il a 2 ans. Avec ses petites dents. Yvan a grandi avec sa sœur qui a 2 ans de plus que lui. Alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années, il vit un drame. Il perd successivement sa mère et son père. C'est alors sa grand-mère qui les prend en charge, lui et sa sœur. Et elle se démène pour le faire progresser coûte que coûte. On s'est toujours battu pour qu'Yvan vive dans un milieu ordinaire. On ne voulait pas qu'il aille dans une... je ne sais pas comment on appelle ça, ces internats où ils sont tous entre eux, entre jeunes qui ont des handicaps. Et je ne voulais pas parce que... Je pense pas que c'est avancer dans la vie que de rester comme ça. Il faut s'ouvrir à tout le monde. On n'en a pas démordu. Hein. On voulait nous diriger parce qu'on allait aux réunions de parents. Et on nous disait, oui, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Et nous, on disait, non, il y a une solution. C'est magnifique l'énergie que vous avez déployée pour lui. Oui. Enfin, je pense que n'importe quelle grand-mère l'aurait fait. Hein. Bon, en plus de ça, c'est vrai que j'avais la possibilité, j'étais toute seule. Mes enfants n'avaient pas besoin de moi, mes autres... Bon, j'ai fait le maximum, c'est certain. Oui. Hein? Oui. Oui. Tous ces efforts ont payé. Et Yvan, 21 ans, a aujourd'hui une vie presque normale de jeune homme de son âge. Un travail et des loisirs. Il adore la musique, joue du djembé, mais aussi de la guitare basse. Il est aussi sur les réseaux sociaux. Yvan a un compte Facebook sur lequel il apparaît en kimono de karaté, un sport qu'il pratique depuis des années. Sur son mur, il a posté ce reportage d'une chaîne régionale consacrée à son embauche au restaurant. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as vu ça, quand t'as vu ce sujet sur France 3? Oh, il est pas mal. Il est bon, moi. Juste pas mal? Oui. Un top, bien, en forme. C'est ça. Il a aussi un compte bancaire sur lequel il dépose son salaire. Il paye avec sa carte bancaire.
et bon, retire de l'argent. Et qu'est-ce que tu fais comme dépense? Tout. Et deux fois, il me paye le cinéma dimanche. Ben, il m'a payé le cinéma. Pour aller voir un beau film. Ça va. Non, il s'achète. Est-ce que tu t'achètes des disques? Il regarde tout ça. Des disques? De quoi s'habiller, des fois, il aime bien s'habiller. Il regarde tout ça, moi. Il a tout ça. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'il soit autonome, qu'il prenne vraiment son envol, qu'il puisse vivre seul? Je pense qu'il a encore quelques années à travailler là-dessus. Parce qu'il n'aime pas être seul. Si. Il n'aime pas être seul, Yvan. Si. Il aime bien avoir Mais bon, quand on est tout seul dans un appartement, on est tout seul dans un appartement. C'est compliqué, enfin, à mon avis. On n'a pas mis encore... On y travaille, mais c'est... Je pense qu'il faut bien au moins 3 ou 4 ans, hein. À mon avis. Ben ça, on a pris à moi. Oui, je sais bien, chérie. 19h30, Yvan n'a toujours pas terminé sa journée. Depuis quelques temps, en plus de toutes ses activités, il fait aussi du fitness. Demain, à 10h, il reprendra son service au restaurant. Bien vivre son handicap, c'est d'abord l'accepter et mener en permanence une bataille pour trouver sa place. À quelques kilomètres de Montpellier, Mudaison. Depuis qu'elle est paraplégique, Léa, 20 ans, aime se lancer des défis. Le premier d'entre eux a été de prendre sa voiture sans demander l'aide de personne. Ça vous a pris du temps à apprendre ces gestes? Au début, oui. Parce que on n'a pas trop d'équilibre et il faut apprendre tout ça. Mais maintenant, je le fais super rapidement, quoi. Aujourd'hui, cette manipulation ne lui prend que 2 minutes. Léa a dû également apprendre à conduire une voiture pas comme les autres, adaptée à son handicap. Du coup, j'ai un anneau au volant qui me permet d'accélérer. Donc, il peut être placé soit à l'avant, soit à l'arrière. Moi, j'ai choisi à l'avant. Et là, j'ai un frein. Ce qui était dur, c'était les endroits où il fallait tout mettre en même temps, en fait. Freiner, mettre le clignot et tout, c'est un peu chaud. Mais après, on s'y fait, quoi. On va juste un peu moins vite. Aujourd'hui, Léa s'est fixé un objectif ambitieux. Participer aux prochains Jeux paralympiques de natation. Alors, tous les vendredis, elle s'entraîne dans un endroit étonnant. À l'arrière de ce salon de beauté, une piscine chauffée à 32 degrés, une température idéale qui lui permet de s'entraîner plus longtemps. Et depuis un an, elle a un coach particulier qui lui en fait plutôt baver. En place, allez, hop! Voilà! Encore plus petit. Voilà, tac, tac, tac. Il l'a connue quand elle était encore valide et qu'elle faisait de la natation en sport-études. Elle a été ancienne nageuse de haut niveau, donc elle sait ce que c'est l'entraînement, donc on n'a pas non plus à prendre des pincettes parce qu'elle est paraplégique, quoi. Pendant 30 minutes, Léa va enchaîner les exercices. Crawl, dos, sans s'arrêter. Bam, bam, bam. Après une séance, je suis bien dans mon corps et même dans ma tête, quoi. Je suis reposée. Pour moi, c'est vraiment important, quoi. Dans l'eau, j'ai pas d'handicap. Vivre sa vie comme avant, quand elle était encore valide, une évidence pour la jeune fille. Je mets quoi à table, maman ? C'est donc naturellement qu'à la maison, elle aide sa mère dans les tâches quotidiennes. Elle participe et même si quelquefois on se lève pour lui prendre, elle dit non, c'est moi qui y vais. Elle a toujours été comme ça et elle continue, quoi. Puis même quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, hein. Elle nous pousse vers le haut, je pense. Pourtant, au départ, tout n'a pas été simple. La maison n'était pas du tout adaptée à son handicap. Je
chez moi, elle était là, donc avec tous les escaliers, et comme si c'était vachement en pente, et ben on a pu rien faire. Du coup, ben, pendant presque un an, je suis allée dans la chambre de mon frère. Vous savez comment pour y accéder, parce que je vois qu'il y a des escaliers. Ben, il m'a mis une petite rampe en bois. Mais en fait, au début, quand il n'y en avait pas, mes parents et mes frères et soeurs, et ben, ils me portaient, en fait. D'accord. Du coup, pendant un an et demi, ça a été un peu... Ben, on s'est débrouillé comme on a pu, quoi. Depuis quelques semaines à peine, elle a son propre espace. Là, c'est ma chambre. Donc, mon lit, mon bureau pour travailler, parce que je fais mes études encore. Et le fait qu'il y ait beaucoup de lumière, ça... Je suis bien, quoi. Donc là, c'est ma salle de bain. Voilà, avec la douche accessible et rien aussi en dessous de l'évier pour que je puisse m'y mettre, quoi. Donc là, en fait, vous êtes totalement autonome, là, maintenant. Ouais, je suis bien autonome. Le plus important, c'est de pouvoir se gérer seule et pouvoir vivre seule, en fait. Parce qu'après ça, ben, je prendrai mon appart et j'aurai aucune crainte, en fait. Voilà. Retour chez Léa. Son objectif, aller de l'avant toujours, pour laisser loin derrière l'accident qui a failli lui coûter la vie il y a à peine 2 ans. Le 17 octobre 2014, elle est en route pour son entraînement de natation. Elle est à l'arrière du véhicule. Devant, côté passager, il y a sa sœur. Au volant, son beau-frère, qui fait une faute d'inattention. On percute 2 voitures. Donc le premier choc, je sens que je suis paraplégique, en fait, et que je suis handicapée. Et je crie dans la voiture que je suis paraplégique, alors que je sais même pas ce que ça veut dire. Je vois mes pieds qui sont retournés par terre, sur le sol, et je le sens, en fait. Et là, ben, je m'évanouis. Et je me réveille, la voiture prend feu à ce moment-là. Je me réveille dans les bras d'un homme qui est en train de courir, avec moi dans les bras. Et en fait, je lui dis, je veux mourir. Et il me regarde et il me dit, ne dis pas n'importe quoi. Et je me rendors, en fait. Léa va passer 15 jours dans le coma. À son réveil, l'une des premières choses qu'elle tient à faire, c'est pardonner son beau-frère. Les gens, ils me demandent souvent, est-ce que tu parles encore à ton beau-frère? Ou est-ce qu'il s'est mis à froid? J'ai dit, mais non. J'ai dit, il n'y a rien de tout ça qui s'est passé, comme tout le monde pourrait le croire, à lui en vouloir. Je crois que j'en ai jamais voulu une seule fois dans ma vie. Moi, je vais pouvoir être heureuse dans ma vie. Je le suis au jour d'aujourd'hui, je le suis. Et je vais pouvoir oublier mon handicap parce que voilà, j'ai décidé de vivre comme ça et maintenant c'est comme ça. Mais je pense que lui, chaque dimanche, on va se retrouver en famille, chaque jour, on va me voir. Lui, il se dira, c'est moi qui ai fait ça, en fait. Et le plus dur, ça, au final, ça sera pas pour moi. Au plus dur, ça sera pour lui. Et moi, je pars de ce principe-là. Et maintenant que moi, je conduis, ben, les fautes d'inattention, ça arrive à n'importe qui. À n'importe qui, vraiment. Et je peux pas lui en vouloir. Léa a pardonné, fait le deuil de sa vie d'avant, accepté son handicap. Tout ça en moins de 2 ans. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, ce sont les nouveaux défis qui l'attendent. Saint-Rémy-de-Provence, le lendemain matin. Le temps d'une journée, Léa va devenir mannequin. Elle a été sélectionnée il y a quelques mois pour participer à un défilé de mode. Salut. Ça va? Ce matin, elle retrouve les autres modèles. Salut. Je t'ai vu? La particularité de cet événement, c'est qu'il mélange des personnes valides et d'autres qui présentent un handicap. L'objectif, promouvoir la mode pour tous. Certains, comme James, sont des habitués des défilés. Vous avez quoi là ? Ça va, moi ça va. Il faut se laisser aller, faut vivre le truc à fond, c'est tout. Voilà. Peut-être on apprend un peu le regard des gens. Justement, quand on rentre, il y a tout le monde, ça impressionne un peu. Et puis au final, après le premier passage, en général, ça va, on prend un peu confiance et puis on repart à fond. Et puis voilà, ça se passe bien. On va faire le filage, il est 10h passées déjà. Pour Léa, en revanche, c'est une première. Alors avant le show de ce soir, une dernière répétition s'impose. Voilà,
Hélène, la chorégraphe, met en place le dernier tableau du défilé. Donc vous êtes en binôme, ce ne sont que des modules de deux, mais un peu différents sur la fin, mais ce ne sont que des modules de deux, d'accord ? Mélanie et Elia sont ensemble. Ce passage-là, je vous ai donné les couples, les binômes. Léa doit maintenant retenir le trajet qu'elle doit effectuer sur la scène. Parce qu'il faudra que je m'en souvienne. Heureusement, l'organisation lui a fourni un petit pense-bête. Là, c'est mes pauses, en fait. Non, je rigole. C'est genre, je dois avancer et je dois faire des pauses sur la scène, en fait. Léa clôture le dernier tableau, ce qui lui laisse le temps de prendre exemple sur les mannequins qui défilent avant elle, mais aussi de bien angoisser. Oh là là, le stress, maman. Je sais pas si je passe, là. Il reste le dernier changement de pose, le plus compliqué. Avec son binôme, elles doivent tourner ensemble sur le devant du podium et repartir du bon côté. Je pense que ce soir, ça sera un peu plus impressionnant, mais c'est déjà mieux qu'aux anciennes répétitions, quoi. On prend un peu plus conscience que ça va se faire, quoi. Ce défilé ne pourrait exister sans le travail d'une trentaine de bénévoles. Il y a les fleuristes qui vont passer la journée à piquer 2000 fleurs fraîches sur le podium, les maquilleurs, les coiffeurs, mais aussi les stylistes qui ont prêté leur création, comme Mélina. Donc là, on est sur de la soie lavée et de la dentelle de Calais. Ou encore Clémentine et Nathanaël, deux créateurs nîmois qui ont dessiné une des tenues portées par Léa ce soir. C'est celle-là, un corps incroyable avec un dos... Et pour sa binôme, une tenue avec une ceinture qui rappelle la couleur de la robe de Léa. On veut mettre du beau à tout le monde. C'est génial parce que les filles, là, elles ont une émotion quand elles portent les robes. Elles se partent dans tous les sens. C'est génial. Il y a une spontanéité qui est incroyable. On se marre, nous, à être ici aujourd'hui. Hein. À moins de 3 heures du show, dans les coulisses, on est plutôt concentré. Pour chaque modèle, un coiffeur attitré. Sur un tableau, les chignons de chaque mannequin. Pour Léa, ce sera cette coiffure. Ça va, pas trop stressée ? Non, ça va. Vanessa, la coiffeuse, tenait absolument à être présente ce soir. Ce projet lui tient à cœur. Un de ses proches est également en situation de handicap. Il a 40 ans. Ouais. Et ce qui est super beau, c'est qu'il s'est marié avec son infirmière. Ah ouais, ouais. C'est souvent comme ça. Hein. Ouais. Bon, moi, j'ai pas d'infirmière, alors. Avant son accident, Léa n'était pas du tout intéressée par la mode. Aujourd'hui, si elle participe à ce défilé, c'est pour faire passer un message. Vous aussi, t'es pas aussi belle naturelle. Je suis jeune, ça fait pas longtemps que je suis en situation de handicap. Et je pense que ça peut aider les prochaines personnes comme moi à accepter leur handicap, en fait. Ah bah alors c'est bon. Ben merci beaucoup. C'est bon, à tout à l'heure. Tu te mets là, comme ça ? Ouais, c'est bien. J'aime bien, ouais. Se servir de la mode pour changer le regard sur le handicap. Un concept qui a séduit Lucie Lucas, l'héroïne de la série Clem, qui a accepté de devenir la marraine de la 5e édition d'Andy Fashion. Pour que ça bouge pour toi. T'as travaillé en tant que mannequin ou... Mais il faudrait, vraiment, parce que... Ouais, mais ça, ils veulent pas trop des handicapés, généralement, dans les... Ben ouais, mais faut que ça change, parce que ce serait vraiment dommage de se passer de toi, vraiment, quoi. Ça me touche beaucoup, mais... Mais il faut que t'aies confiance, vraiment. À tout à l'heure. Bonne prépa, c'est très beau, d'ailleurs, ça aussi. Je trouve qu'on vit dans une société où on aime bien la conformité. On a décidé que ça, c'était bien, c'était beau, c'était fashion, c'était attractif ou quoi. Et puis le reste, ben non. Et je comprends pas du tout ça parce que moi, justement, j'aime vivre dans un monde complètement cosmopolite où tout le monde est différent. Ce soir, le défilé est à guichet fermé. Parmi les premiers arrivés, la mère de Léa est Oriane, sa meilleure amie qui a fait 300 km pour assister au show. J'ai trop hâte de la voir sur la défilé. Je suis trop contente. En coulisses, Léa n'emmène pas large.
Si, là, ça commence un peu. Et la petite musique en fond, là, c'est pas moi. Il est temps d'enfiler sa première tenue du défilé. Allez, il faut commencer. C'est parti, la première tenue. Pour l'aider, comme dans un vrai défilé de mode, une habilleuse. Dans quelques minutes, elle aura face à elle 300 personnes. Son passage sur le podium, l'aboutissement de 4 mois de travail. Tous les modèles vont faire plusieurs passages. À chaque fois, ils portent les créations d'un designer différent. Léa va se changer 3 fois. Alors, bah, c'est impressionnant au début. C'est bien quoi. Moi, c'est bien. J'ai vu ma famille. Les gens, ils te regardent comme ça. Entre chaque tableau, ils n'ont que quelques minutes pour se changer. Autour de Léa, 3 personnes s'affairent. Pour une fois, ce ne sont pas des mannequins filiformes. Donc, c'est super. Voir Léa défiler sur un podium, sa mère ne l'aurait jamais imaginé. Ça m'a émue, puis en plus, je suis pas sûre qu'il y a quelques années en arrière, elle aurait fait ce genre de défilé. Voilà, et je me suis dit, tiens, elle est là, c'est elle, quoi. Ça fait bizarre. Pour leur dernier passage, ils défilent en robe de soirée. Et comme dans tout défilé de mode qui se respecte, ils se terminent avec la robe de mariée. Mélanie et Xavier sont un vrai couple à la vie. Grâce à Andy Fashion, ils renouvellent leurs vœux chaque année. Mais quand on est handicapé, les contes de fées sont rares. Le plus souvent, c'est un long parcours semé d'embûches qui emporte sur son passage des familles entières. Limoges. Dans cette maison, le silence s'est installé il y a 2 ans. Depuis que Camille, 21 ans, la fille de Thierry, a eu un grave accident de la route. Là, c'est Camille beaucoup plus jeune, vers 8 ans, 8-10 ans peut-être. Après, elle est la plus petite, mais là, on était encore dans l'Oise. Et là, on était aussi dans l'Oise, à Savigny, puisque je reconnais ses petites copines de l'école de Savigny. Là, c'était un mariage où elle dansait, on l'avait pris en photo. Ça fait du bien quand même de la voir. Après, voilà, on sait, on est conscient de comment elle est aujourd'hui, mais bon, on a besoin de la voir quand même, comme elle était avant, quoi. Le temps s'est arrêté dans la nuit du 13 au 14 janvier 2014. Sa fille n'est plus jamais rentrée dormir dans sa chambre d'adolescente. On n'a rien changé dans la chambre. Tout ce qui est là, ça y était déjà. Quand ça, c'est tous ces livres de Stephen King, parce qu'elle est très fan de... Elle lisait beaucoup ces livres-là. C'est sa déco, c'est elle qui a choisi la peinture. Ça, c'est ses guitares. Ça, c'est des dessins qu'elle a fait. Enfin, le portrait qu'elle a fait, ça, c'est un dessin qu'elle a fait, elle. Tout est resté comme c'était quand elle était là. Du jour au lendemain, ce père de 4 enfants perd toute communication avec sa petite dernière. Elle parlait de tout le temps, elle était... Pipelette, on pouvait dire qu'elle était pipelette, quoi. Elle aimait bien parler et elle parlait beaucoup. Des fois, je lui disais, tu me saoules, Camille, arrête de parler. Et maintenant, je lui dis, j'aimerais bien que tu me parles, quoi. Je te dirai plus, tu me saoules. Touché lui aussi par le handicap depuis l'âge de 17 ans, amputé de la jambe suite à un cancer des os, il veut à tout prix prendre soin de Camille. Alors, tous les après-midi depuis 2 ans, il se rend à son chevet, avec toujours cette angoisse de savoir dans quel état il va la retrouver. Je pense à comment elle va être quand je vais venir à l'hôpital, quoi. Savoir si je vais pouvoir la sortir avec son fauteuil roulant dehors, s'il fait beau, bien entendu, ou si elle va être dans son lit et parce qu'elle n'est pas très bien, voilà. Parce que bah, si elle n'a pas une bonne tension, il la lève pas. Si elle n'a pas une bonne température, il la lève pas. Et c'est comme ça depuis le début, depuis 2 ans et 3 mois à peu près.
Camille est hospitalisée au CHU de Limoges, au pavillon Adrien Dany, un pôle spécialisé dans les lésions cérébrales. Elle y est depuis son accident. Bonjour Camille. Bonjour Camillette. C'est papa. Tu ouvres tes yeux ? Ouais. La jeune fille a aujourd'hui 23 ans. Elle est en état végétatif chronique. Elle ne peut plus bouger ni parler. Mais le plus important pour son père, c'est que sa fille soit toujours en vie. Elle est toujours là, quoi. Donc on peut toujours la toucher, même si pour l'instant, il n'y a pas de communication possible. Mais elle est toujours là. On peut l'embrasser, on peut la câliner, on peut lui caresser les mains, on peut la toucher, quoi, en fait. Vous pensez qu'elle vous comprend ? Moi, je pense que oui. Certaines fois, oui, c'est sûr. Quand, par exemple, quand je lui ai dit que ma mère était décédée, elle a pleuré. Donc, je pense qu'elle avait très bien compris ce que je lui disais. Non, ma chérie, c'est vrai. Tu n'as pas goûté au café aujourd'hui ? Pendant 2 heures, Thierry va rester auprès de sa fille. Il attend sa femme pour lui passer le relais. Ainsi, Camille n'est jamais seule. Dans la famille, c'est elle qui souffre le plus de la séparation avec Camille. C'est son unique fille. Alors même ici, elle tient à ce qu'elle reste coquette. Pas question de garder les blouses d'hôpital. Elle a rempli son armoire de produits de beauté et de vêtements. C'est normal ce que je fais. Puis je me dis des fois, peut-être que la couleur, ça lui plairait pas forcément. J'essaie de rester dans ce qu'elle aimait. Peut-être qu'aujourd'hui, elle aurait changé de couleur. Ou peut-être que j'ai acheté un velours, mais elle aurait... C'est ça. Des moments, j'y pense à ça. Je me dis peut-être que ce que je fais, ça ne lui plairait pas forcément. Je trouve que j'en fais pas assez. Des fois, je suis un peu bloquée parce que... Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus ? Prendre sa place, c'est... Sa place, elle est aujourd'hui à la maison, près des siens. C'est en tout cas le désir de ses parents. Ils veulent la récupérer auprès d'eux. Ça va, mon chéri. On va bien s'occuper de toi. Mais on sera chez toi. Ce ne sera pas nous. Ce sera pas toi qui sera chez nous. On va squatter ta maison. Hein ? Mais pour faire sortir leur fille de l'hôpital, Thierry et sa femme ont dû lancer une procédure en justice. Pour cela, ils ont fait appel à l'un des meilleurs avocats en dommages corporels, Maître Marc Secaldi. Bonjour. Bonjour, maître. Allez-y, entrez. Merci. L'année dernière, il a obtenu une indemnisation record de plus de 12 millions d'euros pour une victime d'accident de la route comme Camille. En tant que passagère du véhicule accidenté, elle est couverte par l'assurance du conducteur. Elle peut donc être indemnisée. Bon, c'était important de se voir pour préparer un peu l'audience, la perspective. Oui. En justice, Maître Secaldi demande une provision de 500 000 euros à l'assureur. Une somme qui permettra de couvrir financièrement les dépenses pour un retour à domicile de Camille. Il faut un lit médicalisé, donc c'est un lit comme elle est à l'hôpital, je crois que c'est un lit à matelas à air. Il faut l'acquisition d'une maison de plein pied, avec beaucoup d'espace, parce qu'il faut une salle de bain spéciale pour Camille. Sa chambre, c'est pareil, il faut qu'elle soit entièrement aménagée. Et puis il faut qu'elle puisse avoir accès à toutes les pièces de la maison. Donc il faut vraiment que ça soit quelque chose de plein pied, même de l'extérieur, quoi. Et actuellement, c'est pas avec mon salaire et celui de mon épouse qu'on pourrait... Faire ça et accueillir notre fille s'il n'y avait pas des indemnisations, des assurances, quoi. Ce serait impossible. Ce retour à domicile, l'assureur voudrait l'éviter. Il préférerait voir Camille à l'hôpital. Son argument, préserver la santé de la jeune femme. Quel va être le critère de choix d'un retour à domicile ou d'un placement dans une maison de long séjour ? Le critère économique. Et là, on oublie la personne. On oublie son équilibre, la qualité du climat qu'elle va pouvoir avoir, de son environnement affectif.
Et c'est dramatique. On paye des assurances, donc je penserais que ça serait un peu plus facile, quoi. Qu'il n'y aurait pas besoin de se battre, qu'avec l'avocat, ça s'arrangerait, comme on disait tout à l'heure, à l'amiable, comme ça se fait des fois. Mais bah, là, malheureusement, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est déconcertant, et oui, tous les jours, il faut se battre pour récupérer notre fille et pour qu'elle soit indemnisée, pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Pour départager l'assureur et la famille, il a fallu une expertise judiciaire. En fait, c'est le rapport définitif, il est là. Le 26 août 2016, elle a obtenu gain de cause. Le retour à domicile est souhaité par l'ensemble du milieu familial. On précisera d'emblée qu'il y a dans la pratique des équipes spécialisées une mesure loin d'être exceptionnelle, nécessitant bien sûr une organisation particulière. Donc ce rapport d'expertise, c'est vraiment l'étape importante qu'on attendait dans votre procédure. Et là, maintenant, on ne pourra plus résister, différer, en tout cas sur les conclusions médicales. Après, sur le débat indemnitaire, vous savez qu'ils sont dans la résistance. Et il n'y a pas vraiment d'offre spontanée, donc on va se battre. On va aller devant la cour d'appel pour réclamer cette provision. Si la justice leur donne raison, la provision ne sera pas versée avant 2017. Camille fêtera cette année encore Noël sans sa famille, qui ne sera pas en mesure de l'accueillir à la maison. Un déchirement pour ses parents et ses frères, tous très liés et qui attendent avec impatience son retour. Comme on faisait avant, lui raconter des conneries, qu'on ne fait pas forcément à l'hôpital, quoi. Mais là, c'est entre nous. Je pense que... J'ai été avec elle. Ouais, même si ça ne reste pas forcément à elle, elle nous écoutera. Donc, on sera déjà plus à l'aise d'être chez elle, dans un environnement autre que l'hôpital. Ça sera quand même un retour à la vie de famille avec Camille. Pas la vie de famille sans Camille, quoi. Parce que là, c'est quelque part, c'est la vie de famille sans Camille. Elle n'est jamais avec nous. À part quand on va la voir, que là, elle sera toujours avec nous. Une bataille judiciaire qui pourrait encore durer des années, à moins que l'assurance accepte de transiger. Souvent, les familles se retrouvent en première ligne pour aider leurs proches handicapés. C'est encore plus vrai pour les 500 000 parents qui ont un enfant atteint d'autisme. Généralement, ils doivent trouver seuls les moyens de faire face au handicap. C'est le cas d'Estelle, 41 ans. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Comme tous les matins, Julie vient s'occuper de son fils. Tu vas faire le bisou ? Alan a 11 ans. Elle le connaît depuis maintenant 2 ans. Elle sort ton cahier ? Oh ! Julie n'est pas une nounou, c'est une auxiliaire de vie scolaire. Elle passe 20 heures par semaine aux côtés de ce garçon qui a besoin d'être aidé. Alan a été diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans. On lit les phrases et quand tu vois qu'il y a un point d'interrogation, on colorie, c'est une question. Ok ? Oui. Allez, tu commences ? Le pompier monte à l'échelle. C'est une question ? Oui. C'est une question ? Non. Ah bon, je préfère. Combien de places reste-t-il dans le bus ? C'est quoi ? C'est une ? Sous. C'est une ? Interrogation. Très bien. Donc on colorie. Aujourd'hui, l'exercice consiste à faire la différence entre une phrase affirmative et une phrase interrogative. Les mouettes cherchent. Des poisons. Quoi ? Poissons. Ah oui, c'est des poisons. C'est une question ou pas ? Un devoir qu'Alan aurait été incapable de réaliser il y a quelque temps. Il y a quelques mois, par exemple, Alan serait arrivé à identifier une phrase, parce que c'est une phrase, puisqu'il sait maintenant que quand il y a une majuscule et un point, c'est une phrase. Par contre, il ne serait pas arrivé à identifier si c'est une phrase exclamative, une phrase interrogative ou une phrase déclarative. Aujourd'hui, avec le travail qu'on effectue, il sait dans un texte ce que c'est une question ou autre chose. Donc effectivement, il y a une évolution, puisqu'il y a quelques mois en arrière, il n'aurait pas su identifier ce que c'était une question, et du coup, il n'aurait pas compris le sens de la phrase. Malgré les progrès, Alan a toujours du mal à se concentrer longtemps. Il a souvent besoin de pauses, ses récréations. Est-ce que tu veux faire la pause maintenant et après on fait la lecture ? Maintenant. Maintenant. Pas longtemps alors ? Oui.
Comme tous les enfants de son âge, Alan est passionné par les jeux vidéo. Pour Estelle, la maman d'Alan, l'arrivée de Julie dans la famille a été une véritable aubaine. Une lueur d'espoir dans la vie complètement bouleversée de cette mère, c'était il y a plus de 10 ans. Le 3 juin 2005, Estelle accouche d'un petit garçon. Alan est un nourrisson très mignon, en pleine santé. C'était un bébé vraiment adorable, hyper souriant, super calme, super, enfin, bébé en or. Il a perdu tout son langage du jour au lendemain. Il ne s'exprimait plus que par cris et par pleurs. Hein. Et on se dit toujours, non, c'est sûrement pas ça, enfin, c'est pas possible que ce soit ça. Et en fait, le cauchemar commence une fois qu'on a le diagnostic. Vous apprenez que ça, il n'y a aucun remède, que ça ne se guérit pas, qu'on est autiste, on meurt autiste. Tout ce qu'on peut faire, bah, c'est les faire progresser. Retour chez Estelle et son fils Alan, autiste. Depuis son plus jeune âge, le jeune garçon a d'énormes difficultés à apprendre. Il a besoin d'un soutien permanent. Et puis, il y a également les crises. Les troubles du comportement, c'est partout. C'est à la maison, c'est chez le médecin, c'est dans la rue. C'est un enfant qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à communiquer. C'est son seul moyen de communication. Donc oui, il crie, il hurle, il fait des crises. Et ben, les gens ben, vous regardent de haut, vous font des réflexions du style « Regarde-le, elle n'est même pas capable d'éduquer son gosse correctement. Elle ferait mieux de rester chez elle. » Voilà, ce genre de réflexion qu'on entend régulièrement. Donc, on passe pour une mère incapable d'élever correctement son gamin. Et on est tout simplement jugé. Les gens sont à 10 000 lieues de ce qu'on est en train de vivre. Comme tout enfant autiste, Alan se fait du mal et agresse ses proches. Un comportement violent. À bout de nerfs, Estelle affronte une nouvelle tempête au printemps 2014. L'éducation nationale l'abandonne. La jeune femme lance alors son opération commando. Et cela se passera à un endroit insolite, sur une grue. C'est ici, dans le centre-ville de Toulouse, sur le boulevard Jean Jaurès, à deux pas du Capitole, qu'Estelle, la rebelle, a voulu faire entendre sa colère. Celui est très particulier parce que à la place de ce bâtiment, il y a 2 ans et demi à peu près, il y avait une grue. Et je suis montée tout en haut de cette grue pour défendre le droit à la scolarisation de mon fils, puisque le rectorat avait décidé de retirer l'auxiliaire de vie scolaire d'Alan. Alan est autiste et il avait besoin de cette jeune fille pour l'accompagner à l'école tous les jours. Ils avaient décidé de lui retirer, donc voilà, il n'avait plus le droit d'aller à l'école. Et c'était pour moi clairement de la discrimination. C'était, on le vire par rapport, parce qu'il dérange, voilà, il est handicapé, on n'en veut plus. Et ça m'a été vraiment insupportable. Je l'ai fait non seulement pour Alan, et pour tous les enfants qui étaient dans la même situation que lui. Postée à 30 mètres du sol, la jeune femme exhibe ses banderoles et ses pancartes. J'avais mis une pancarte tout en bas de l'échelle où c'était marqué « Si vous montez, je saute ». Et voilà, donc tout le monde était prévenu et du coup, ils m'ont contacté via un talkie-walkie qui était dans la cabine. Et là, ça a été grand bas de combat. Les policiers, les pompiers sont arrivés, les journalistes, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai été en négociation pendant des heures pour obtenir ce que je demandais. Sécurisée par un pompier, Estelle finit par redescendre après 8 heures de pourparlers par talkie-walkie avec les autorités. Son geste spectaculaire ne reste pas sans suite. J'ai obtenu tout ce que je voulais. J'ai eu un énorme soutien des médias. Donc Alan a pu poursuivre sa scolarité. Ce qui est malheureux, c'est de devoir mettre sa vie en danger pour des choses qui sont complètement normales, c'est-à-dire c'est un droit. Chaque enfant a le droit à être scolarisé, c'est la loi, tout enfant doit aller à l'école. Si des parents ne mettent pas leur enfant à l'école, on leur envoie les services sociaux. Nous, si on ne met pas nos enfants à l'école, c'est limite si on ne nous en remercie pas. Estelle a gagné une auxiliaire de vie scolaire, mais son combat ne s'arrête pas là.
Car depuis des années, cette mère courage cherche par tous les moyens à faire progresser son fils. Alan avait tout son planning sur ce plateau-là. Et en fait, on utilisait ce qu'on appelle les pictogrammes, donc c'est la communication par image. Donc voilà, il fallait les imprimer, les découper, les plastifier, mettre le petit truc là pour les coller. Et en fait, ça se présentait comme ça. Donc par exemple, le lundi, donc maman, ensuite le taxi qui l'amène à l'école, le taxi qui le récupérait à l'école, la structure l'après-midi où il est pris en charge, retour à la maison avec maman et sa grande sœur, Joanne. Voilà, donc là, il avait une vision claire de son planning de la journée et je faisais exactement la même chose pour chaque jour de la semaine et sur trois semaines en tout. Voilà. En fait, chez les personnes autistes, les images, tout ce qui est visuel, leur parle beaucoup plus que les mots. Les mots sont assez subjectifs. Pour eux, c'est beaucoup moins clair. En revanche, quand vous leur montrez ou vous leur expliquez des choses via des images, des photos, pour eux, c'est vraiment très parlant. Ils comprennent tout de suite ce qu'on veut leur dire, ce qu'on veut leur expliquer. Donc, on utilise très souvent ce type de communication. Alan, qu'est-ce que j'ai écrit ? Alan doit en effet visualiser avant de comprendre et de faire. Des sortes de rébus lui expliquent donc la marche à suivre. Je veux deux chips. Tu veux deux chips ? Un. Mais au bout d'un moment, le souci, c'est qu'il s'est lassé. Et c'est un outil qui est quand même assez lourd à gérer. De fait, comme le montre ce document, de temps en temps, le tableau, au lieu d'épauler l'enfant, l'insupporte. Estelle est donc confrontée à un nouveau défi. Trouver une nouvelle astuce visuelle pour remplacer son tableau. Je me suis dit, il faut absolument qu'il ait toujours quelque chose sur lui, qu'il le guide. Et je suis vraiment restée là-dessus, et j'ai réfléchi. Et puis tout à coup, j'ai pensé à la montre connectée. Je me suis dit, mais la montre, c'est l'outil idéal. Il pourrait recevoir toutes les notifications directement sur sa montre. La mère de famille invente donc une application, un agenda en images sur la montre connectée, un planning précis, heure par heure, avec des consignes et le programme de la journée. Là, Alan reçoit une alerte. Hein. Voilà, je prends la douche. Hop, donc il quitte l'ordinateur et il va prendre sa douche. Et ça marche sous la douche puisque la montre va sous l'eau, il n'y a pas de problème. Donc là, on peut lui poser des questions. Est-ce que tu as mis le savon ? Il a répondu non. Donc là, il a un petit bonhomme qui n'est pas très content. Du coup, la consigne revient, je mets le savon. Voilà, donc là, du coup, bah, il met le savon, etc. Et après, je me rince. Et ça va vraiment, en fait, fonctionner comme un entraînement cérébral. Et petit à petit, bah, il va faire les choses spontanément, de lui-même, des fois avant même que l'alerte arrive sur la montre. Et au final, ils auront... Le but, c'est qu'ils n'aient même plus besoin de cette montre, c'est que ça devienne complètement spontané et qu'ils fassent les choses par eux-mêmes, quoi. C'est le but, finalement. Mais pour l'instant, Alan n'est pas encore autonome. Chaque instant de sa vie est balisé par cette montre très spéciale, notamment avant le déjeuner. Dans une minute, il va recevoir les notifications sur sa montre. Maman a fait passer ses recommandations sur son application. Installé dans la pièce à côté, Alan reçoit la consigne. Je me lave les mains. Sans hésiter, le garçon s'exécute. Direction la salle de bain. Puis la montre donne un nouvel ordre. Le garçon file à la cuisine. C'est pour qui ? Ça, c'est pour toi et pour Julie. C'est pour qui ? Pour toi. Et tu mettras la table pour Julie aussi, hein ? Je mets la table. Et pour Julie ?
Ce midi, comme il y a une invitée à table et deux couverts à servir, Alan est un peu désorienté dans ses habitudes. Mais l'oubli est vite réparé et Julie peut s'installer. Bon appétit. C'est bon ? Autre avantage de la montre connectée, déstresser les autistes. Le planning, les dates, les heures, pour lui, sont très importantes. Mais parce que ça pose un cadre, en fait, chez les personnes autistes, tout ce qui ne change pas est très important, parce que si ça ne change pas, ça les rassure énormément, en fait. Ils ont horreur de l'imprévu, des changements. Il y a le gras. Alors, ça le... Qu'est-ce qu'on dit ? Aide-moi. Donc, je vais l'enlever. Donc, j'arrive à le faire patienter aujourd'hui. Il apprécie pas particulièrement. Mais en fait, je le fais exprès. Je fais exprès de casser un petit peu ce qu'on appelle les rigidités. Parce que dans la vie, oui, mais Alan, tu le fais pas avec les mains. Je vais le faire, je vais l'enlever. Dans la vie, on peut pas tout prévoir. Hein. On peut pas tout prévoir à la minute près, c'est pas possible. Donc je fais exprès, de temps en temps, voilà, de casser un peu ses rigidités pour l'habituer, tout simplement. Et c'est ce que je fais depuis des années. Et puis, maintenant, c'est ce qui fait qu'Alan le gère plutôt bien. Même si ça lui plaît pas, il le gère. Ça ne déclenche plus de crise aujourd'hui. Voilà. À présent, grâce à la trouvaille de sa mère, Alan devrait mieux se débrouiller tout seul chaque jour. C'est vraiment le but, hein, c'est qu'il fasse un maximum de choses par lui-même sans avoir maman sur le dos tout le temps. Estelle, mère au foyer ne percevant que le RSA, est devenue récemment la PDG de sa société. Son idée intéresse des investisseurs français, mais également américains. Un dimanche, mon gars. Bon après-midi, chérie. Merci, bonne journée. À lundi. Merci pour tout. À lundi. Son invention, une petite révolution pour les millions de parents d'enfants autistes dans le monde. Mais les avancées technologiques ne permettent pas encore d'améliorer la vie des personnes handicapées. C'est le cas notamment pour les 207 000 aveugles vivant en France. Chaque jour, quand cette jeune mère de famille va chercher sa fille à l'école, c'est un petit parcours du combattant. Elle est à deux doigts, par exemple, de rentrer dans cette voiture. Là, par exemple, ça, je la vois, ça. Ouais. Alicia, 33 ans, est malvoyante. Elle ne visualise que des formes vagues. Pas suffisant pour percevoir ces obstacles qui lui barrent la route. Un jour, il y en a, un jour, il n'y en a pas. Voilà, ça, c'est le piège. Ouais. Un jour, elle est ouverte, un jour, elle est fermée. Après, le fait de percevoir un obstacle, devant moi, ça me fatigue, quand même. D'accord. Tu vois, par exemple, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Heureusement, dans cette banlieue parisienne, il y a quelques équipements pour guider les personnes comme elle. Voilà le feu sonore. Et c'est grâce à la petite télécommande, ça, qui est activée dans mon sac. Une télécommande qui déclenche la fonction vocale du feu de circulation. Le feu parle. Et là, c'est vert. Ça, c'est chiant. Et voilà. Près de l'école, Alicia rejoint son mari, Franck, malvoyant lui aussi. Ils vont réussir à se retrouver en reconnaissant leur voix. Ah ben oui. Pardon, je suis là. Coucou. Je suis en train de t'appeler bêtement. Ils se sont rencontrés il y a 7 ans. Franck porte sur le ventre leur petit dernier qu'il est allé chercher à la crèche. Quand on a un bébé sur le ventre, c'est pas compliqué à gérer le handicap, le bébé, la canne. Il faut s'habituer en fait. Ouais. C'est sûr que c'est plus les mêmes volumes hein, puisqu'on a le bébé sur le ventre. Alors les premiers temps, au tout début, pour s'habituer, moi je pose toujours ma main derrière le bébé. Ouais. Comme ça, j'ai la canne qui est en sécurité devant. D'accord. Et si jamais il y a un coup, j'ai ma main qui d'abord va tout protéger. Au revoir, à demain. De son côté, Alicia va chercher à la maternelle l'aînée, Solène, 3 ans et demi. Si les deux parents sont malvoyants de naissance, leurs enfants, eux, ont une vue normale. Allez, viens, princesse. Solène, c'est toi qui t'occupes de ta maman, là ? Tu guides maman, toi ?
C'est toi qui guides maman? Oui. Ouais. T'es sérieuse? Non. Non? Pas vraiment, non. Elle le fait de bon cœur. Après, je pars du principe que c'est pas son rôle. Elle aime bien. Mais jamais j'irai lui demander « guide-moi » ou... D'accord. Des fois, je fais exprès de dépasser l'entrée de la résidence ouais. pour voir ce qu'elle dit. Et elle fait « Mais maman, c'est là !» On est là. Ouh, lapin. Allez, viens. Attends, tu veux passer par là? Voilà, fais. Chaque soir de semaine, la petite famille n'est réunie que quelques instants. Oui, trop dur. C'est trop dur pour toi. Salut, bébé. Voilà, calme. Tu faisais dedans? Car si Franck, qui est consultant management, a fini sa journée... Moi, tu feras plus de dos. T'as assez dormi. Il s'est réveillé? Ouais. Bah oui, je savais pas qu'il dormait, je l'ai attrapé. Alicia, elle, va la commencer. Son boulot se trouve dans le centre de Paris. Et vous n'imaginez pas le nombre de difficultés qu'elle doit surmonter chaque jour pour s'y rendre. Tout d'abord, comment lire les horaires à l'arrêt de bus? Pour cela, elle a une astuce. Je regarde à quelle heure passe mon bus sur l'appli RATP. Normalement, c'est dans pas longtemps. Son parcours est semé d'obstacles. Là, le bus. Car après le bus, elle doit prendre le métro. Non, j'ai jamais eu peur des escaliers. J'ai la chance d'être sportive déjà dans l'âme et d'avoir fait beaucoup de sport dans ma vie. Les escaliers m'en ont jamais fait peur. Ouais, il y en a trop. Alicia a fait de la compétition en athlétisme. Pour cette jeune femme autonome et pleine d'humour, les milliers de personnes qui prennent le métro tous les jours sont aussi une gêne. Entre ceux qui t'attrapent le bras et qui te disent rien et qui veulent absolument t'emmener à quelque part, merci fantôme, ceux qui insistent pour t'apporter toute leur aide, c'est gentil, ça part d'un bon fond, mais des fois c'est pas nécessaire. Et ceux qui sont plantés là, au milieu de quelque part, et qui bougent pas. Et pour elle, ces personnes immobiles sur son passage peuvent être un vrai danger. Je suis déjà tombée dans les escaliers ici. Il y avait un sans domicile fixe qui dormait sur les escaliers, j'ai fait un vol plané. Il dormait allongé, moi je peux pas le savoir. Et là, quand t'as besoin des gens, t'en as pas un qui va te le dire. Lui, c'est pas réveillé. Et bah si, mais une fois que j'étais par terre. Ah mais tu peux te tuer, sans doute. Ah mais tu peux te tuer, oui, complètement. Alors, pour s'ouvrir le chemin, Alicia y va avec autorité. C'était pour prévenir la population que je passe et comme j'ai pas envie de me bousiller la foi, je préfère faire ça. Parce que des fois, t'as beau leur dire pardon, pardon, pardon. Ça se pose pas. Non. Mais comment tu gères ça dans les heures de pointe, le monde, la foule? Moi, je gère pas. Ouais. Je pousse. Après avoir poussé la foule dans 3 métros et un bus... Et je suis arrivée. Alicia approche enfin de son travail après 1h15 de trajet. Elle est serveuse dans ce restaurant. Un établissement qui propose de se mettre dans la peau d'une personne aveugle en prenant un repas dans l'obscurité totale. Eh bien voilà. Bonjour. Nous avons fait le test avec l'une de nos journalistes, Anna. Oui, c'est une main totale. Elle est accueillie par la directrice des lieux. Pour profiter pleinement de l'expérience, il faut prendre des précautions, se débarrasser d'un certain nombre de choses. Vous avez dessus votre veste, votre sac, et vous allez mettre aussi tout ce qui peut être encombrant. Ok. Première chose, évitez que ce soit sali, évitez que ce soit perdu, et surtout pour ne pas gêner vos guides pendant qu'ils vont vous servir, ce serait dommage qu'ils tombent sur votre sac. D'accord? Ok. Et surtout, les sources de lumière, pas donc de téléphone. Donc, je peux pas garder mon téléphone? Certainement pas. Alors, pas garder. Montre avec des aiguilles phosphorescentes, mais j'en vois pas. Non, j'en ai pas. Notre journaliste peut maintenant basculer dans l'univers des malvoyants. Alors, c'est Alicia qui va vous guider ce soir. Vous allez avoir okay. Bonsoir. Une guide attitrée. Bienvenue, je vous prends la main? Oui.
C'est notre mère de famille aveugle qui va l'initier. Au restaurant dans le noir. Merci. Je me présente, je m'appelle Alicia. Il n'y a pas de marche, pas d'obstacle. On va passer deux rideaux. Et là, on tourne à droite. Ça va? Ouais, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Bienvenue chez nous. Nous arrivons à filmer grâce à une caméra spécialement conçue pour l'obscurité. Ici. Alicia et Anna sont dans le noir. Votre dossier de chaise et vous allez avoir la table en face de vous. Alors, je vous pose devant vous. Vous avez une serviette, une couvert et devant la serviette, un verre. Et la technique pour vous servir de l'eau, c'est le doigt dans le verre. Quand le doigt est mouillé, c'est que le verre est plein. Anna, c'est dur dans le noir de pas mettre de l'eau à côté. Ouais, j'essaye. Donc je là, pas vous avez le doigt dans le verre. Là, c'est bon, mon doigt est mouillé, donc je crois que le verre est plein. Ça, c'est des techniques, Alicia, qu'on... C'est des techniques qu'on donne aux clients. Ouais. Comme le fait de rassembler vos couverts pour ne pas les perdre dans le noir, rassemblez-les d'une main. Parce que dans le noir, on a tous tendance des fois à se dire « Où j'ai posé mon couteau ? Où j'ai posé ma fourchette ?» Alors, pour notre expérience, Anna va déguster à l'aveugle des desserts. Super. Et en vous souhaitant, évidemment, une bonne dégustation. C'est quoi le dessert, Alicia ? Ah, je ne sais pas. C'est la surprise. D'accord. Donc là, par exemple, si vous goûtez, vous savez ce que vous allez manger ? Ça, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est... Bon, ça doit être un gâteau aussi, mais alors... C'est un chou à la crème, tout simple. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. À l'intérieur, c'est quoi? Comme les malvoyants, pour identifier ce qu'elle mange, elle doit faire appel à tous ses sens. Le goût, l'odorat, le toucher. L'ouïe aussi, parce que quand on croque, est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est mou, mou, mou? Donc on entend avec ses propres oreilles, aussi on entend ce qu'on mange. Au goût, on essaye de reconnaître. Au toucher, avec le tactile, on essaye aussi de savoir est-ce que c'est granuleux, est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou. Et à l'odorat, on arrive à sentir l'odeur, je sais pas, de la vanille, du chocolat. Une manière de manger... Et ça c'est quoi ? Qu'Anna découvre. Alors ça, j'ai aucune idée. C'est froid en haut, mou en bas. Je sais pas. C'est super bon, ça. Là, il y a de l'amande. C'est drôle parce qu'on se rend compte qu'on fait beaucoup plus attention à la texture en bouche quand on voit pas. Pour essayer d'identifier. Ça, c'est une remarque que vous entendez souvent, Alicia ? Très souvent. Bah, forcément, on est privé des yeux, donc du coup, on compense avec ce qui nous reste. On va tourner à droite et la lumière arrive doucement. L'immersion dans l'obscurité aura duré 15 minutes. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Anna, c'est une bonne sensation le... C'était super. Le dessert, ouais. Ouais, ouais. On a l'habitude de manger avec les yeux, ouais. Les couleurs, la forme. Enfin, moi, je sais que ça attise la gourmandise. Et là, c'est vraiment une expérience où on découvre d'autres sensations quand on mange. Une expérience sensorielle très riche qui change le regard sur les malvoyants, comme l'explique la directrice à cette cliente russe. Ici, chez nous, c'est vrai que ce sont les voyants qui deviennent handicapés le temps d'un repas. Et ce sont les personnes handicapées qui sont vraiment les guides et qui, eux, sont très à l'aise. Même nous, chacun, même si on est en taré normal, on a chacun nos propres handicaps. Un principe qui fait le succès de ce restaurant. Les réservations sont pleines. Cette jeune femme se retrouve même en liste d'attente. Le concept a été exporté à Londres, Barcelone et Saint-Pétersbourg.